Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arkadaşlar, nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlere muazzam bir şeyle size öğreteceğim. Yani iyilikler size öğreteceğim inşallah. O zaman dikkat edin, konsantrasyon lazım. O zaman isterseniz not alabilirsiniz inşallah. Bu dersin sonunda birkaç soru varsa bana sorabilirsiniz. Sonra bir size bir e-posta veya benim telefon numaramı size vereceğim inşallah. Görüşürüz inşallah. Dikkat edin, izleyin, konsantrasyon lazım. Arınmayın, tamam mı? Birisi varsa sorabilirsiniz inşallah. Selamun aleyküm rahmatullahi şef rey. Je suis Findo Draman. Aujourd'hui nous allons vous apprendre une nouvelle chose, une très bonne chose. C'est du cas, c'est le possessif. Le possessif, comment la langue turque, comment la position s'effectue. Donc, une petite histoire, si vous remarquez, si vous vous rappelez, dans nos précédentes leçons, nous avions parlé de la possession. Est-ce possessif? Nous avons Benim, Senin, Onun, Bizim, Sizin, Onların. On a vu ça la dernière. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec ces possessifs-là, avec un nom, comment on peut marquer la possession. Comment on peut marquer la possession. Ok, une chose aussi qui est très importante, il faut savoir que dans la langue turque, nous, on a des. La langue, la particularité, c'est de la glutine. C'est de quoi? Les mots s'agglutinent. C'est la racine est là. On ajoute des mots, inchallah. Donc, on a notre, par exemple, un mot. On a un nom comme ça. On va ajouter le suffixe du personnel là-dessus. Et vous allez savoir que c'est très, très intéressant d'apprendre cette langue. Donc, on y va. Donc, on a les possessifs. Pour les possessifs, c'est iéliclair. Iéliclair, comme ça. Les possessifs, c'est iéliclair. Donc, c'est facile. Donc, les possessifs, il est clair. Les adjectifs ici, on a les adjectifs, comme ça. Les adjectifs, adjectifs en tout, c'est sifat. Les adjectifs possessifs, on peut dire les adjectifs possessifs, on peut dire mulkiyet. Adjectif là, on peut dire mulkiyet, comme ça. Adjectif, ça. Adjectif, possessif, pardon. Possessif, on peut dire mulkiyet. Comme ça, peu de mulkiyet, comme ça, peu de mulkiyet, ou bien encore iélik. Donc, pour du possessif, hein, mulkiyet ou iélik. Donc, les adjectifs possessifs, on va dire mulkiyet sifatları, ou bien iélik sifatları. Les adjectifs possessifs, c'est mulkiyet sifatları, veya iélik sifatları. Les veya, ça veut dire ou bien. Veya, ça veut dire où. Ok. Donc, on y va avec les adjectifs possessifs. On a benim. Si vous rappelez, ça veut dire mon, ma, mais, tanta, tete, apostrophe, senin, sans ça, c'est apostrophe, s apostrophe, pardon, à lui, à elle, bizim, notre nom. Ok, sizin, votre voix, onların, leur. Ok, maintenant, il faut savoir que les éléments que nous avons ici là, ce sont des éléments qu'il faut vraiment remarquer. Ces éléments là sont très très importants en turc. Ces éléments sont très très importants. Ça, par exemple, ça comme ça, je vais expliquer ça pour vous. Ce que vous voyez comme ça, c'est le suffixe, le S, c'est le suffixe. P du pronom personnel, le suffixe du pronom personnel, hein? Suffixe du pronom personnel, c'est dire quoi? Le pronom personnel, c'est on divise ça en deux parties. Une première partie qui est soit le ben sen dis ou le benim sen, aussi de suite. Et la deuxième partie, on ajuste cela maintenant au nom. La deuxième partie, on ajuste cela au nom, ouais. On ajoute la deuxième partie au nom. Donc, les conseils de suffixe pour la première personne, on a le im. Et pourquoi? Normalement, c'est m. Hein? Le m, on a le m qui est le suffixe. C'est le m là qui est le suffixe. Le m, c'est le suffixe, comme ça. On va jaune, il met ça en jaune. M, c'est le suffixe. C'est le suffixe du personnel de la première personne. Tu vois, le m là, c'est le suffixe de la première personne du singulier. Maintenant, le i qui est là, le i là peut varier. Le i là peut varier. Ouais? Le i peut être. C'est I là. Le I que vous voyez là, ça peut être le I sans point.
hein? Ou bien ça va être le U, le chef de U-tréma, ou bien le U, ou bien ça va être O, ou bien ça va être E. Ouais, donc ça change. Ça fonctionne des 8 voyelles là, ça fonctionne des voyelles, ça prend en compte les 4 voyelles là. Faible et les 4 voyelles fortes. Ça, si vous voyez cette lettre comme ça, ça fonctionne de la dernière lettre. Parce que la langue turque, c'est basé sur. Ça fonctionne de la dernière lettre qu'on met le suffixe du personnel. Puisque c'est une langue agglutinante. Une langue agglutinante. Et ça va rajouter un mot ou bien des ajouts. On tient compte de la dernière voyelle. On tient compte de la dernière voyelle. Ça va l'harmonie des voyelles. On appelle ça l'harmonie des voyelles en turc. Et c'est très très important. Donc, avec la première personne, on a le i comme ça. C'est le suffixe, c'est m. Maintenant, la deuxième personne, c'est Nina. Le suffixe, c'est N. Ok, il met ça en jaune. Le suffixe, c'est N. Et maintenant, la troisième personne, le suffixe, là, c'est quoi? Le suffixe, c'est le I. N'est-ce pas? Et là, si le mot est terminé par une consonne, on met I. Mais si le mot est terminé par une voyelle, on met S d'abord. On met S d'abord avant de mettre le I. On met S d'abord avant de mettre le I. Ok. Donc ici également, c'est le i comme ça. Voilà. Donc, on a notre i. Comme ça. Donc, on continue avec le nous. Le nous, est le suffixe du nous, bizim. Bizim, c'est le suffixe comme on appelle les différentes terminaisons. Et ça, c'est le miz. Miz, ça, c'est imiz. Maintenant, en fonction de l'harmonie des voyelles, si le mot est terminé par une consonne, on met le i. Ça veut dire i, c'est le i avec point, i sans point. O, ou ainsi de suite. Ouais. Donc, on a comme ça. On a notre. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le i. Et le ça c'est le jaune. N'est-ce pas? Ça, c'est jaune. Ok. Ça, c'est jaune. C'est jaune. Ok, comme ça. Voilà. Donc, c'est ok. Maintenant, avec le cuisine. Le suffixe de cuisine, c'est ce que nous voyons là, c'est le nis. Nis, et ici, c'est en fonction de l'harmonie des voyelles. Ici, c'est la fonction de l'harmonie des voyelles qu'on met comme ça. Ok? Donc, on a ça aussi, inis. Ici, on a inis. Et on larine. On larine. Le suffixe, c'est le i. Ouais, maintenant, si le mot n'est pas une voyelle, on met s d'abord. On met s d'abord avant d'ajouter. Mais est-ce avant d'ajouter les i, n'est-ce pas? Ok, donc voici les différents éléments qu'il faut connaître. Donc, si vous prenez par exemple un nom, si vous prenez par exemple un nom, avant d'ajouter quoi que ce soit, avant d'ajouter quoi que ce soit, il faut connaître la personne qui parle. C'est la première personne qui parle ou c'est la dernière personne qui parle. Donc, par exemple, si on prend par exemple mon, bon, ici la bénédiction, ça veut dire mon, mais ce n'est pas terminé. En turc, c'est deux, on divise en deux parties, mon quoi? Si c'est mon livre, on divise le suffixe, le pronom personnel en deux parties, une partie sur la lettre positive, une autre partie sur le nom que nous allons ajouter. Donc, on a bénim et il y a le nom, vous voyez le tiret là. Après on met le nom, après le nom maintenant, on a le i, c'est-à-dire le i là, c'est en fonction de l'harmonie des voyelles. Ça peut être i, ça peut être i sans point, ça peut être ou u, vous voyez un peu. Voilà, et on a maintenant notre m. Le m là qui est un. Dès qu'on voit M seulement, c'est le suffixe de la première personne du singulier. Et le N, c'est le suffixe de la deuxième personne du singulier. Le I, c'est le suffixe de la troisième personne du singulier. Voilà. Maintenant, celui-là, maintenant, si le mot est terminé par une voyelle, qu'est-ce qu'on met I d'abord, on met S avant de mettre ça. Hein? Ok, ici, si le mot est terminé par une consonne, on met I. C'est sa fonction de la dernière voyelle. Et si le suffixe de nubis, c'est mise. Mise, dès que vous voyez mise comme ça veut dire que c'est le suffixe de la première personne du pluriel. Le ni, c'est le suffixe de la troisième personne, de la deuxième personne du pluriel. Et le i, c'est le suffixe de la troisième personne du pluriel. Et si vous regardez, c'est la même chose. Ici, si vous regardez, c'est la même chose. Si vous regardez ici, c'est la même chose avec. Ici, comme ça, c'est la même chose avec cela. C'est la même chose. Voilà, donc là, trois personnes singulières, trois personnes plurielles, c'est la même chose. Donc, comme vous voyez, comme pour le pronom personnel, comme pour le pronom personnel, c'est Ben, Sen, Obisis, Onlar, le suffixe personnel, hein, le suffixe personnel possessif, suffixe,
Le suffixe personnel possessif, suffixe, ça veut dire qu'un suffixe, c'est ce qu'on vient ajouter. Le suffixe qu'on ajoute, vous comprenez déjà, le suffixe, quand le suffixe, ça veut tout dire. Donc, par exemple, le suffixe là, le suffixe personnel, suffixe personnel possessif, c'est ce que vous avez. Et bien, le suffixe personnel possessif, il va chercher une autre couleur. Et bien, ça, vous allez voir une couleur intéressante. Ça, ok, donc ça, ouais, le suffixe personnel possessif. Donc, c'est ce que vous voyez ici, comme ça là, c'est le suffixe personnel possessif. Voilà, j'ai mis ça en bleu comme ça. Ouais, tout ça là, c'est le suffixe du personnel possessif. Hein? Suffixe personnel possessif. Voilà, et on dit qu'encore le présent, la présence de l'adjectif possessif ne fait que renforcer. L'un de l'adjectif possessif, l'adjectif possessif, c'est quoi? C'est cela, adjectif possessif, adjectif possessif. Vous allez me demander ce que c'est qu'elle a été positive. Cela, c'est elle a été positive. Elle a été positive. Elle va comme ça. Donc, la présence là, hein, la vie qu'elle a présente, elle a été positive, ne fait que renforcer quoi? Ne renforcer le sens des mots, ok? Sauf aux troisième personne. Troisième personne, de séguer le pluriel qu'il faut préciser l'adjectif afin d'éviter les confusions. Donc, ici là, c'est ici là, j'ai dit, par exemple, il faut. Ajouter quelque chose, vous faites très attention pour ne pas confondre. Voilà, ici comme ça, et aussi, ici également, vous faites attention pour ne pas confondre. Donc, il faut que ce soit, au lieu de la transformation et du pluriel, il faut préciser l'adjectif. C'est de quoi? C'est là qu'on doit préciser l'adjectif. C'est là qu'on va préciser l'adjectif. Hein? C'est là qu'on va préciser l'adjectif. Ici, l'adjectif va venir, et ici également, l'adjectif va venir. Hein? Donc, il faut préciser là, pour éviter les confusions. Donc, pour éviter les confusions, il faut envoyer ça. N'est-ce pas? Donc, pour, à la première personne du singulier ou du pluriel, là, pour éviter les confusions, il faut mettre cela. N'est-ce pas? Donc, maintenant, nous allons donner des exemples avec des mots. Nous allons donner des exemples avec des mots. Par exemple, le premier mot qu'on a ici, c'est. Ici, c'est Ève. Ève. Ève, ça veut dire quoi? Ève. Ève, ça veut dire maison. Ève, ça veut dire maison. Maintenant, bon, Ève, quand on dit Ève, c'est pas précis. Bon, on va ajouter quoi? Donc, pour ajouter le suffixe, par exemple, le suffixe personnel possessif. On va ajouter le suffixe personnel possessif maintenant. Ici, maintenant, Ève-im. Ève-im. Hein? Ici, le suffixe personnel, ici, on a l'élément qu'on va ajouter. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez ça là. Ça, d'ailleurs, changer. Excusez-moi, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur, c'est encore mieux pour faire, pour mieux partager. Ok, donc, on a le vert. Par exemple, ça, c'est le suffixe personnel possessif. Le suffixe personnel possessif, ça là. Vous voyez ça ici, le M. Maintenant, puisque le mot est terminé par une consonne, on met cette voyelle là. Donc, vous allez comprendre. Vous voyez? Donc, Evim. Evim, ça veut dire quoi? On peut dire Benin Evim, qui veut dire ma maison, ou bien simplement Evim. Il n'y a pas de problème, mais ça c'est correct. Evim, ma maison. Un autre mot, Ad, Ad, qui veut dire. Ad, qui veut dire non. Ad, ça veut dire non. Ok, Ad, ça veut dire non. Maintenant, Adum, 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 ok, Adum, ça veut dire quoi? Adum, ça veut dire mon nom. Adam, ça veut dire mon nom. Maintenant, ça, j'ai oublié le petit et le i qui est là, là. Ça fonctionne de l'harmonie de voyelles, comme ça, n'est-ce pas? On regarde chaque fois cette voyelle-là. Hein? Regardez ici, notre voyelle, c'est celui-là. Ok? Ça fonctionne de cette voyelle-là qu'on a mis le i, là. N'est-ce pas? Ici aussi, à cause de cette voyelle-là, on va mettre. À cause de cette voyelle-là, on va mettre. Vous allez voir, encore de cette voyelle-là. Ouais, encore de cette voyelle encore, on a le i. Ouais, encore de cette voyelle-là, on a le i ici. Donc, ici, on a okul. Le mot, c'est okul. Okul. Okul, ça veut dire quoi? Okul, ça veut dire école. Okul, ça veut dire l'école. Ok? Okul, ça veut dire école. Maintenant, okul. Regardez, avec le suffixe du personnel, Benim.
avoir des béniments. Ok. Okul. Voilà, bénim okul. Ouais, okul. Voilà. Donc, okulum, okulum, ça veut dire monocole. Maintenant, regardez, avec cette voyelle-là, regardez, on a ici, on a les ou. On a les ou ici. Voilà. Et ça fonctionne de la dernière voyelle. Ici, notre dernière voyelle, c'est ce mot-là. Ok, vous voyez? C'est ce mot. Donc, on va souligner ce mot qui est notre dernière voyelle. Okul, vous voyez? Okulum. Okulum. Hein, ça veut dire mon école. Benim okulu mon école ou bien okulu mon école. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Voilà. Ici, on a un autre mot. Geuse. Geuse. Geuse qui veut dire quoi? Tu connais? Geuse, ça veut dire un œil ou un yeux. Ok? Geuse, un œil ou un yeux. Maintenant, le suffixe du personnel là. Ça, c'est on a. Ici, c'est celui qui parle ici. Geuse. Ici, on met ça en bleu. Bleu. Ok, Gézu. Maintenant, on a le hume qui est là. Le hume. Je mets ça en rouge qui est là. Vous voyez là. Ouais, Gézu. Ouais, Gézu. Ça veut dire quoi, Gézu? Ça veut dire mon œil. Mon œil, Gézu. Ça veut dire mon œil. Ou bien, Benim Gézu. Benim avec la dépositive. Benim Gézu. Il n'y a pas de problème. Hein? Si on veut renforcer Benim Gézu. Ou bien simplement Gézu, mon œil. Ça marche. Maintenant, Araba. Araba, ouais, Araba, ça c'est un autre mot. Araba, tu veux dire voiture. Araba, ça veut dire voiture. Araba, ça veut dire voiture. Mais le suffixe du personnel, c'est la lettre M. Donc, on a Arabam. Arabam, si vous regardez ici, le mot est terminé par une voyelle. Donc, on met seulement notre M. On met seulement notre M. Voilà. Ok. Résume. Voilà, si vous avez mis ça en parenthèse ici, là, il a. Ça fonctionne de la même. Si le mot est pas énorme, voyelle, on met seulement le suffixe personnel là, dans lequel ici on continue. Voilà. Donc, Uyku, sommeil. Hein? Uyku, Uyku, ça, ça veut dire le sommeil. Uyku, Uyku, ça veut dire le sommeil. Uyku, le sommeil. Ok, Uyku, le sommeil. Voilà. Donc, Uykum, mon sommeil. Uykum, ça veut dire mon sommeil. Uykum, mon sommeil. Uykum, mon sommeil. Ok, voilà, ouais, mon sommeil. Voilà, c'est très simple, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Maintenant, je reviens encore ici avec un autre mot. Par exemple, on a Eve. Hein? On a Eve, on va dire Evin. C'est-à-dire, la lettre L est là. Evin. Hein? Evin. Evin, on voit ici, c'est la lettre N. C'est-à-dire quoi? Evin, ta maison. Evi. Evi ici, ouais, ouais, le I est là. Hein? C'est en fonction de la moyenne de voyelle. Ici, on va mettre le I. Et fait seulement pour ce dernier-là, ne pas trop perdre de temps. Et ici, le mot n'est pas une consonne. Donc, on met simplement le I. Voilà. Ça, c'est Onun Evi, sa maison. Onun Evi, ça veut dire sa maison. Senin Evin. Senin Evin, ta maison. Senin Evin, ta maison. Ok? Maintenant, Onun Evi. Onun Evi, ça veut dire sa maison à lui ou bien à elle. Ok? Maintenant, ici, on a Evimiz. 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 Celle-là, c'est le suffixe personnel. Quelle personne le plus pluriel? On a notre I ici. Le I, c'est là. Donc, vous allez le voir. Voilà. Evimiz. Ça veut dire notre maison. Bizim Evimiz. Notre maison. Si on veut renforcer. Bizim Evimiz, notre maison. Ok, Sizine Evinise. Sizine Evinise. Sizine Evinise. Votre maison. Sizine Evinise. Votre maison. L'Inise est là. Ok, donc notre I est là. Sizine Evinise, votre maison. Onların Evi. Onların Evi. Onların Evi, ça y est là. Oui. Onların Evi, ça veut dire quoi? Leur maison. Onların Evi. Parce que ici, le mot est pas une consonne. Onların Evi. Onların Evi, leur maison. Ouais, donc c'est la même chose. On va dire quoi? Benim a dit mon nom. Senin a dit ton nom. Senin a dit ton nom. Onun a dit son nom à lui et son nom à elle. Bizim a dit notre nom hein. Ok. Sizin a dit votre nom. Onların a dit leur nom.
Ok, bah, c'est au niveau de Okul qui veut dire Kola. Donc, Benim Okulum, c'est mon école là. Senin Okulun, ton école. Onun Okulu, ça veut dire son école à lui, son école à elle là. Bizim Okulumus, notre école là à nous. Ok. Sizin Okulunus, votre école là à vous. Onların Okulu, leur école. Onların Okulu, leur école là. Gözüm ici, gözüm, c'est mon œil, benim gözüm, senin gözün, ton école. Onun gözü, son école, son œil à lui, ok, ouais, à elle. Bizim gözümüz, notre œil, nos yeux. Sizin gözünüz, votre œil, vos yeux. Onların gözü, leurs yeux, leur œil, ok. Dans arabam. Benim arabam ma voiture, senin araban ta voiture, onun arabası. Regardez ici, on a le mot terminé par une consonne forte, donc on va mettre quoi? Voilà. Onun arabası, sa voiture, bizim arabamız, notre voiture, sizin arabanız, votre voiture, onların arabası, leur voiture. Onların arabası, leur voiture, ok? Ok, uyku, sommeil, uykum, benim uyku, mon sommeil, senin uykun, ton sommeil, onun uykusu, son école et son sommeil, ouais, son sommeil à elle ou à lui. Ok, bizim uykumuz, notre sommeil, sizin uykunuz, votre sommeil, onların uykusu, leur sommeil à eux. Ok. Ok, maintenant, on fait maintenant, on ouvre la marque du pluriel là. Bon, on n'a pas encore vu ça, nous allons voir ça à la leçon qui suit. La marque du pluriel là. Ça, c'est la marque du pluriel, comme ça. Là, c'est la marque du pluriel. On n'a pas encore vu ça. Ok, ça, c'est la marque du pluriel. LAR. LAR, c'est la marque du pluriel là. Maintenant, je dis maintenant. Hein? Ok, on va voir ça, cette lettre A-L-A-L là, dans la leçon qui suit. Adlarim, benim adlarim, ça veut dire quoi? Maintenant, benim adlarim, maintenant, regardez, on a toujours le suffixe, hein? On a toujours le suffixe du personnel là, faut pas oublier ça, chaque fois. Ça. Adlarim, ça veut dire maintenant, ou bien benim adlarim, maintenant, adlarim, hein? Tes noms, ou bien senin adlarim, tes noms. Ok, adları. Adları ici, ouais, on a le ici. Adları, on a le i. Ok, bizim adlarımız, nos noms. Sizin adlarınız, vos noms. Onların adları, les noms. Onların adları, les noms. Ok, uykularım, c'est la même chose. Ya, mes sommeil, uykular, ça c'est sommeil. Uykular, sommeil. Ok. Donc, uykularım, mes sommeil. Le suffixe du personnel là, hein? Ok, donc faut pas oublier ça, c'est très important. Ok, donc uykularım, ça veut dire benim uykularım mes sommeil, uykularım tes sommeil, senin uykularım tes sommeil, uykuları, ça veut dire son sommeil, uykuları son sommeil, ou bien onun uykuları. Bizim uykularımız, nos sommeil, sizin uykularınız, vos sommeil, onların uykuları. Oui, c'est très simple. Voilà. Voyez, en réalité, ici, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut réviser, très très important. L'élément qu'il faut connaître, concernant les iéliques éclairés, les iéliques possessifs, c'est le suffixe. Hein? C'est celui qu'il faut connaître. La première personne, elle a le M, ainsi de suite. M quand ça la première personne, ça là elle est N quand la deuxième personne du singulier et de I quand là concernant la troisième personne du singulier et les imisa ça quand là pour la première personne du pluriel là les imisa quand là pour la deuxième personne du pluriel là et on a les I quand là pour la troisième personne du pluriel également. Donc, il faut apprendre ça, c'est très très important, c'est très très important. Mais l'élément le plus important, c'est celui-là. Hein? Suffixe personnel, possessif, suffixe personnel, possessif. Suffixe personnel, possessif, la position est possessif, plus ça. Il y a, benim, soit tu peux employer ça
avec le nom, vous ajoutez le suffixe du personnel positif là au nom et c'est OK. Donc, on va voir quelques exemples. Là. Son frère, Onun Kardeshi. Son frère, son frère, le son. La vie, si vous vous rappelez, la vie, son. Son frère. Ok, son frère, ça veut dire Onun. Frère, son frère, Onun, frère, c'est Kardesh, Kardesh, Onun, Kardesh. On va ajouter le suffixe ici. Onun, Kardesh, son frère. Maintenant, le frère, Onların, 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 ça veut dire leur, Onların, Kardesh, Onların, Kardesh, Onların, Kardesh, leur frère, hein? Leur frère. Hein? On l'a une Kardeshi, leur frère. Hein? Ils sont beaucoup pour un frère. Ok. Plusieurs possessions pour une seule possédée. Ok. Donc, ici également, ses frères, Onun. Ouais, ses frères, on a Onun. Hein? Ses frères, on a Onun. Ses frères, on a. Aussi, on a son. Ok. Son frère et ses frères, on a Onun. Ouais, on a Onun, frère. Maintenant, Kardesh Leri. Le I est là, vous voyez. Maintenant, il y a la marque du pluriel là. Hein, le S ici là. Le S, je mets ça avec une autre couleur, avec du vert. Ok, vous allez voir ça. Maintenant, voici la marque du pluriel là. Comme ça. C'est la marque du pluriel comme ça. Nous allons voir les indications. Voilà, ses frères, Onun al Kardesh Leri. C'est la même chose aussi. Ses frères, Onun al Kardesh Leri. Onların Kardesh Leri. Onların Kardesh Leri. Hein? Ici également, ça peut être rouge. On va mettre ça en rouge. Onların Kardesh Leri. Ok, en rouge. Leur Onların. Onların, Onların. Les frères en rouge. Ok. Donc, Onların Kardesh Leri. Ok. Donc, on l'a dit. Là, c'est la marque du pluriel. Là, hein? Là, ok. Là, c'est la marque du pluriel. On l'a dit, Kardesh Leri. Et si on a là, comme ça, vous puissiez voir une particularité. Ouais, ça. Ok, comme ça, ouais, vous allez voir. Voilà, comme ça. Les S est là, les différents S sont là. Pour que vous puissiez voir comment la langue turque. Elle est très très impressionnante. Ouais. Donc c'est très simple. Son frère, Onun Kardeshi, comment on appelle ses frères, Onun Kardeshi Leri, Onların Kardeshi, leur frère, Onların Kardeshi Leri, leur frère. Comme ça. Donc c'est simple. Donc ben senin arabanı satın alıyorum. Ben senin arabanı satın alıyorum. Satın almak, c'est acheter. J'achète ta voiture à toi. Ok. Donc, on va se réveiller pas mieux. On va mieux expliquer ça après. Kitap, qui veut dire vivre. Ve, ça c'est Kalemin, nerede. Nerede. Nerede, on n'a pas encore vu ça. Ça veut dire où. Nerede, ça veut dire où. Voilà. Nerede, où. Voilà. On va mieux expliquer. Kitap et Kalemin, nerede. Où sont ton livre et ton stylo? Kalem. Kalem, ça veut dire. Kalem, ça veut dire stylo. Ok, kitab ça veut dire livre. Ok, kitab ve kalemim, kitab ve kalemim masada. Mon livre et mon stylo. Kitab ve kalemim masada. Hein? Mon livre, hein? Kitab ve kalemim. Hein? Kitab ve kalemim. Kitab, jaune. Ok, ve kalemim. Hein? Ve kalemim. Regardez un peu. C'est dit mon livre. Mon livre. Ok, mon stylo. Ok, kitab ve kalemim. Sont sur la table. Masada. Masada sont sur la table. Arabanız nerede? Où sont votre voiture? Où est votre voiture? Arabanız nerede? Où est votre voiture? Benim, ben senin. Ben senin için çiçek aldım. Ben senin için çiçek aldım. J'ai acheté des fleurs pour toi. Senin için. Senin için, ça veut dire pour toi.
senin için ne savaşı pour toi. Senin için pour toi la visa dans une leçon précédente. Ok. Les fleurs, chichette, fleurs c'est chichette. Fleurs c'est chichette. Ok. Voilà. Chichette a changé. On a une autre couleur bleue qui est les fleurs. Ouais. Dans le même cas, en réalité, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut vraiment mettre le paquet. Donc, tout ça là, on va revenir là-dessus plus tard. Mais hein, l'élément essentiel là, c'est cela. Le dispositif qu'on appelle Yelik éclair, Yelik clair, qu'on appelle le dispositif, le possessif, Mulkiyet, sifatlar ayeti possessif, veya Yelik, sifatlar ayeti possessif. Donc là, c'est les adjectifs comme ça. Maintenant, le suffixe, c'est le suffixe, c'est la suffixe du personnel possessif qu'on ajoute au nom. Cela, c'est M-N-I. M-I-Z, L-I-Z, O-I, qu'on ajoute au nom. Ok, et cette élément qu'il faut la prendre en compte pour le pronom personnel, le suffixe personnel positif suffit. La présence de l'adjectif positif, si on ajoute, c'est-à-dire que Benim, Sinin, ne fait que renforcer. Donc, si on veut renforcer la position, on utilise par exemple Benim, Evim, c'est-à-dire ma maison, la maison à qui? À moi. Si on dit Evim, ma maison, Bilgisayarim, mon ordinateur. Ok, donc c'est très simple, voilà. Sauf la traversée du singulier qu'il faut préciser l'adjectif afin d'éviter les confusions. Par exemple, on nous a vie, ou bien on a une vie. Par exemple, on nous a vie, on a une vie. Donc, on nous a ça c'est lui, maintenant on a ça c'est eux. Donc, c'est là qu'il faut vraiment préciser pour éviter les confusions. Donc, très cher frère, vraiment cette leçon, vous voyez, elle est un peu confuse, mais pour le moment, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, vous allez mieux apprendre et ça sera très, très intéressant. Ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre davantage si vous continuez de regarder seulement, vous allez mieux l'apprendre, mieux, bien, très bien apprendre, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment, merci, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis au 72 1964 10. Je suis avec le cours du Burkina Faso et plus 226. Et puis aussi, pour ceux qui veulent m'envoyer des mails aussi, c'est Draman Kindo@gmail.com. Vraiment, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez partager avec vos frères. Ok, après, non, ça marche. Ok. Benim izle için Türkçe okuyoruz arkadaşlarım. Görüyorsunuz ki sadece bugün mülkiyet sıfatları veya yeni sıfatları hakkında konuşuyoruz. Nasıl bununla isimlerle nasıl birbirimize koyabilir? Burada çok şey var ama sadece yelik sıfatları ve isimler yani ekleriyle konuştuk. Sonra bildiğimizde yani sıfatlar veya başka şeyle size öğreteceğim. Yani bizim izlemek için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Görüşürüz. İrtibata olalım.